Trop, c'est quand même trop. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Trop, c'est trop. Elle a de la chance qu'il fait nuit. Sinon, je l'aurais foutu à la porte tout de suite. Non, non, bébé, s'il te plaît. Tu dois pas être brute avec elle, c'est ta mère. Non, mais chérie, elle exagère. Parle-lui simplement. Non, non, elle exagère. Simplement pour qu'elle comprenne que non, Lucien a besoin d'intimité, c'est tout. Si elle ose encore venir frapper à ma porte comme elle a l'habitude, ce que je vais faire, ce que je n'ai jamais fait toute ma vie. Oui, c'est mon vêtement de nuit. Hey, Gapingo! Oh, oh. Toi aussi, c'est comme ça que tu dors? Tu vas nous dire à la fin où est le problème. Christian! Comment vous dormez avec les habits et vous espérez faire les enfants? De quoi tu parles, maman? Ferme ta bouche! Comment est-ce que vous pouvez dormir avec les habits et vous comptez faire les enfants? La femme va entrer comment, Christian? Maman, moi je n'aime pas ce que tu fais là. Comment tu peux débarquer dans notre chambre en plein milieu de la nuit pour me poser ce genre de questions? Christian, je vois que ça va chauffer. Si tu n'enlèves pas les vêtements là, ça va chauffer ici aujourd'hui. Tu as compris? Je compte jusqu'à 5. 1 2 3. Maman, moi je n'aime pas ce que tu fais là. Mais Christian, qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Tu voulais qu'il fasse quoi? Hein? Et toi, tu enlèves tous les vêtements là, tu te couches, tu prends la bonne position. Pardon? Je dis bien, tu prends la bonne position, tu m'as comprise. Mais Christian, dis quelque chose, pourquoi tu le laisses continuer? Dis-lui quelque chose, non? Tu vois qu'il parle quoi? Ah! C'est toi qui montes mon fils contre moi maintenant? Hein, madame? Mamita, moi je n'aime pas ce que tu fais là. Je supporte plus. C'est quoi que tu peux arriver dans ma chambre pour me demander de faire l'amour avec mon mari? Ici c'est mon lit conjugal. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Ah non, moi je peux plus supporter. Si vraiment dans les 5 secondes qu'il suivait, tu ne sors pas de ma chambre, je ne reprendrai plus de moi-même. Je ne supporte plus. C'est quoi cette histoire? 1 2 3 4 5. Comment? Ça va, chérie. Mais ça ne va pas, non? Tu comptes de maquiller. Maman. Là, tu as fait. Maman, là, tu as fait fort. Tu as fait fort, maman. Hey. Trop, c'est trop. Tu oses frapper ma femme, maman. Pourquoi pas? Devant moi. Maman, ça suffit. Sors de chez moi. Qui sort? Sors de chez moi, maman. Maman, j'en ai assez de toi. Tous les jours, dehors, maman. Je ne veux plus jamais te voir, maman. Je sors pas, laisse-moi. Laisse-moi. Maman, sors. Je ne sors pas. Sors de chez moi. Je ne sors pas. Christian, sors de chez moi, maman. Je ne sors pas. Laisse-moi! Tu l'arrêtes pour quoi? Hein? Vampire! Tu l'arrêtes pour quoi? Vraiment une sorcière comme ça! C'est la première et la dernière fois! Tu sais à qui tu as fait? Attends! Tu connais là où tu te trouves? Elle est en train de m'arrêter, mais malgré ça, tu réussis quand même à l'insulter! Mais elle est quoi? Non, maman! Chapeau! Là, tu as gagné la Coupe du Monde! Je vais te travailler! La bouteille dont tu as mis mon fils dedans, je vais enlever mon enfant. Bande de sorcières comme ça. Je vais te faire quelque chose. Tu ne me connais pas. Une femme stérile. Tu vas faire l'enfant quand? Nami. Tu vas me sortir de la maison si. Tu carré mon fils. Quand tu m'enlèves, tu me demandes que je sorte de ta maison. Tu me connais, Christian. C'est moi ta maman, hein? C'est moi ta mère. Maman. Je sors de mon gré. Parle de feignant. Je vais te faire quelque chose. Ça va aller, chérie. Merde. Attends, laisse-moi voir. Je vais aller vous mettre ma tête. À cause de tes enfants, tu vas mourir. Non, je suis désolé. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance.